Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes à Brazzaville, mardi 1432 la Hijra. Les malades s'appellent Abdurraouf et les djinns s'appellent Aïcha. Elle est rentrée, Abdurraouf, c'était en Sierra Leone quand il était petit. Le numéro d'enregistrement, c'est 63e. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كما سببتي؟ كما سببتي؟ عيستا ستا ستا تي فين دو؟ Je viens de Sierra Leone. Sierra Leone. Nam. Quelle ville? Kono. Kono. Nam. Kono. Nam. Ah, c'est une femme, non? Oui, c'est une femme. Hein? Oui, oui. Oui, c'est une femme. C'est une femme. Oui. Elle n'est pas belle, hein? Ouais, elle n'est pas belle. Je suis pas belle comme ça. Oui, je suis un peu. Ta tête est comment? Ma tête est un peu longue comme ça, géant. Un peu long, faut la mettre. C'est cabri ou un mouton? C'est tête de quoi? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à tête de mouton. Tête de mouton. Oui. Tu as combien de pieds? Oui. J'ai 4 pieds. Tu as 4 pieds? Oui. Hein? Oui. Dis-donc, j'ai... T'as combien de... T'as combien de... J'ai 4 œils. Ils sont où? Il y a 2 devant. Il y a 2 par derrière. Il y a 2 par derrière. Oui. Il y a les cornes aussi? Les cornes. Oui, j'ai les cornes aussi. Combien? J'ai 2 cornes. Ils sont où? Ils sont sous la tête. Devant? Oui, oui. Oui. Tu as quel âge? Qui, moi? J'ai maintenant mes 35 ans comme ça. 35 ans? Oui, je viens sur mes 30 et quelques comme ça. Oui. Bon, qui t'a envoyé ce monsieur-là? Le monsieur là. Le monsieur là. Le monsieur là vient, il vient d'où d'abord? Il vient d'où? Le monsieur là. Le monsieur là, lui, il vient de. Il vient de Fouta. Fouta Diallo. Oui, Fouta Diallo. Oui. Comment il s'appelle? Il s'appelle Abdul Rahim. Abdul Rahim. Oui, oui. Quoi? Son prénom? Son prénom. Bari. Abdul Rahim Bari. Oui, son prénom normalement c'est Diallo. Diallo Abdul Rahim Diallo. Oui, oui. Il vient d'où, Fouta? Oui, Fouta Diallo. Fouta Diallo. Oui, oui. Ah bon? Oui, oui. Il a quel âge? Il a 27 ans maintenant. 27 ans. Oui, oui. Oui. Il est là à Brazzaville il y a longtemps. Il est là à Brazzaville maintenant. Ça fait un an et quelques. Un an et quelques. Oui, oui. Toi, tu es rentré en lui depuis où? Bon, moi, je suis rentré de lui depuis quand il était petit presque. À quel âge? Oui, oui. Quand il avait comme ça, c'est 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans. Oui, oui. C'était où? C'était en Sierra Leone là-bas. En Sierra Leone, c'est là-bas il est né? Oui, oui, c'est là-bas il est né. D'abord? Oui. Oui. Qui t'a fait rentrer? C'est un marabout ou bien c'est toi-même? Moi, qui m'a fait rentrer, je suis rentré par la sorcellerie. Sorcellerie? Oui, oui. Qui a fait? C'est mes parents qui l'ont fait. Hein? Je l'ai fait à travers d'une manière de ce que nous on appelle là-bas worship. Worship? Ah, oui. Ça c'est en anglais? Oui, oui, ça c'est en anglais. Worship, ça signifie quoi? Worship. Ah, worship là, presque moi je peux pas définir ça, je connais comment dire ça là-bas, worship. Worship seulement? Ah, oui, oui. Comment on le fait? C'est sorcellerie là? C'est sorcellerie. Quand on
on par exemple rentre dans worship, si on part pour adorer, on reste toujours nu là. Oui. Sans pantalon, ni slip. Oui, c'est comme ça. On reste quelqu'un qui n'a pas de quand même de la cirée sur lui. Quelqu'un qui n'a aucun truc sur lui comme ça. Même si tu vas mettre peut-être les poudres blanches, les consorts comme ça, tu vas mettre sur toi. Tu mets sous, tu attaches ça, quelque chose qui s'appelle comme les sacs comme ça, qui fait encore corps. Tu attaches ça, tu mets le poudre sous les yeux, tu vous mettez à danser. Oui, oui. Notre religion. Ça c'est votre religion, oui, c'est quoi? Oui, ça c'est notre religion. Vous les djinns? Oui, oui. Hein? Oui. Il y a certains humains aussi qui viennent pour participer ça. Oui, oui, il y a certains humains qui viennent pour participer. Pour comment vous les appelez? Pour les gens qui font ça. Les gens qui font ça. Mmh. On les appelle Andawol. Mmh. Hein? Oui. Comment les appelle? Oui, oui. C'est une religion qu'on on se met en nuit. Mm-hmm. Et on commence à danser. Oui. Comment on appelle ça? Andawol. Andawol. Oui. Ça aussi c'est en anglais. Hein? Oui, ça aussi c'est en anglais. Ça vient d'où? Oui. C'est la religion là, ça vient d'où? La religion là. Ah, la religion là, je peux dire c'est une étrangère qui avait amené ça là. Par exemple. Le pays a été colonisé par les gens là. Ah. Oui, oui. Comment s'appelle ce pays là qui a colonisé ces gens là? England. England. Oui, oui. L'Angleterre quoi? Oui, oui, l'Angleterre. C'est qui ont mené ces sales religions là? Oui, oui. Oui. Et entre dans les femmes et les hommes, ils se cherchent. Oui. Ils font l'amour. Quand il rentre dedans, mm-hmm. quand il fait la prière, mm-hmm. il demande tout ce qu'il veut. Mm-hmm. En demandant même, il se demande tout ce qu'il veut, mais c'est ça qui va être son cause. Oui. Oui, stage. Non, ils se cherchent comme ça. Oui, ils se cherchent comme ça. Ils font l'adultère. Oui, oui, ils se font l'adultère parfaitement. Pour soi-disant, c'est religion. Voilà, que c'est religion. Ça, c'est religion satanique. Oui, oui. Oui. Religion satanique, c'est ça même. Parce que ça, c'est pas. C'est une religion quand même qui a voulu détruire l'islam. L'islam, c'est pour ça qu'ils font. Oui, oui. Ils font tous ces sectes-là, c'est pour détruire l'islam. Oui, oui. Mais l'islam, on ne peut pas le détruire. C'est pratique pour rien. Parfaitement, oustaz. C'est un. Oui, non. C'est un, écoute-moi très bien. Oui, je vous écoute. Oui. Depuis que le petit là est malade, pendant, ouais. Depuis qu'il avait 2 ans ou 3 ans, oui. Il s'est une fois soigné. De cette maladie, mm-hmm. bon, comme ses grands-parents mm-hmm. sont des marabouts, mm-hmm. c'est eux qui l'ont pris, c'est eux qui l'ont mis en charge de leur soigne. Mm-hmm. Oui, oui. Ils le soignent comment? Oui, oui. Bon, ils le soignent par le courant. Le courant? Oui, oui. Ah bon? Oui. Mais toi, tu n'es pas parti, hein? Moi, c'est ça. Bon, je peux dire presque que je me suis fait semblant de partir. Oui, oui, oui. Oui, oui. Parce que je n'ai pas parti, je n'ai pas parti presque. J'ai fait semblant de partir, mais je sais que presque maintenant je suis parti. Je suis maintenant là-bas comme ça. Oui, je suis parti. Mais pourquoi tu aimes ces conneries-là? Ça, c'est péché. Bon, ici avec l'enfant là, mm-hmm. en tant que presque son garde, je peux dire son garde. Il a interdit ça, il est son garde corps. Oui. C'est interdit, ce que tu dis là c'est faux. Là c'est vrai, là c'est non, vrai. Non, ça c'est faux. Là c'est vrai. Faux. Là c'est vrai. Avec l'enfant là, tu fais seulement l'adultère avec lui. Là c'est vrai. Tu es tombé amoureux. Oui. Hein? Oui. C'est pas ça. Oui, c'est je lui, vois. C'est ça. C'est ça, Oustaz. Oui. Tu as entendu parler des sunnites? Oui, j'ai entendu parler des sunnites. Nous sommes des sunnites. Nam. On associe un point à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on est seulement le courant. Nam. Hein? Nam. Et on masse les nerfs. Nam. Si le djinn est là. Nam. Hein? Oui. Le courant va les brûler. Nam. Tu as compris? Oui, oui. D'accord. Petit, là, c'est quelle maladie et quelle maladie tu lui as fait depuis que tu es en lui, là? Le petit.
maladie là, je l'ai donné une maladie, je lui donne la maladie du paludisme. Paludisme de quoi? Oui, malaria. Après quoi? Avec parfois le mot de tête. Avec quoi? Oui. Bon, j'ai déjà fait sortir encore ce que nous on appelle chez nous là-bas les tonocos dans sa ventre quand il était petit. Oui. Oui. Avec quoi encore? Oui. Bon, si tu gardes corps de quelqu'un, pourquoi encore lui faire du mal? Soyons véridiques. Non, soyons véridiques. Si on est décédé, la Dieu va nous juger nous tous. Là, c'est vrai. Là, c'est vrai. Ici, là, pour te vendre. Oui. Pourquoi te donner encore un mot de tête? Pourquoi te rendre malade? De me rendre. Est-ce que ça fonctionne? Non. Ça fonctionne pas. Oui. Tu tiens quelqu'un? Oui. Tu te le défends? Oui. Tu ne dois pas lui faire du mal? Oui. Oui, mais le mot de tête que lui je lui donnais, lui je lui donnais le mot de tête, juste quand il prend le médicament, ça se soigne. Tu vois, non? Mais tout dernièrement, là, quand il a fait son voyage, ils ont voulu maintenant me le retirer. Ils ont voulu me le retirer. Oui. C'était où? C'était. Quel est ça? Ils ont voulu me le retirer. C'était où? C'était. Bon, je peux dire. C'était là-bas au pays. Au pays où? Oui. La Guinée? Oui. La Guinée, c'est quel côté? Oui. Guinée. Là, on l'appelle Kissidougou. Kissidougou? Oui. C'est là-bas, on voulait le retirer. Oui. Ça n'a pas marché. Je n'ai pas marché. À Brazzaville ici. Brazzaville ici, ils ont voulu lui avoir. En fait, je suis venu au secours auprès de lui. C'était qui? Oui. C'était qui voulait l'avoir? Un oustaz qui veut l'aider, oui. Comment il s'appelle? Oui. L'oustaz qui veut l'aider. Lui, il s'appelle. Il s'appelle Bahabib. Bahabib. Oui. C'est lui qui veut l'aider. Il n'a pas pu. Le petit est revenu en haut. Ça a devenu une maladie grave pour le monsieur en personne avec son groupe. Le monsieur aussi est malade? Oui. Son groupe. Bon, ils ont tombé malades, mais ils ont voulu. Ils ont recalmé la situation. Ils ont repris les choses en main. Parce qu'ils pouvaient rattraper ce qui est passé. Donc, c'est toi qui avais fait ça ou bien tes complices? Non, moi j'ai pas voulu faire ça. Quand le groupe de Bahabib, ils voulaient aider les petits, ils sont tous tombés malades. Oui. Ils ont laissé l'affaire tomber. Oui. C'est pas ça. C'est toi qui es derrière cette affaire-là ou bien c'est tes complices? Non, moi je n'ai pas voulu ça quand même. Mais c'est quand même, c'est à cause de toi, non? Oui, c'est à cause de moi. Tu as eu des renforts? Oui. Hein? Oui. Ils sont venus d'où? Ah, ils sont venus un peu partout, Oustaz. Ils sont venus t'aider? Oui. Aujourd'hui, ils sont pas là? Ah, aujourd'hui, ils sont pas à côté. Ils sont pas à côté d'autres. Même s'ils sont là. Oui. Même s'ils sont là. Oui. C'est pas nous, c'est Dieu. Ils peuvent rien faire contre. Oui, Oustaz, oui. Oui. Ashhadu. Allah ilaha illallah. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Rasulullah. Ashhadu. Zateste. Sur ma langue. Au fond de mon cœur. De ne pas peur de quelqu'un.
je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur de malaïka. Je n'ai pas peur de malaïka. Je n'ai pas peur de djinn. Je n'ai pas peur de djinn. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. C'est pour cela que je dis ces mots-là. Allah ilaha. Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. Il n'a pas d'autre divinité que Allah. Qui a droit à l'adoration. Qui a droit à l'adoration. Illallah. Sauf Allah. Wa ashhadu. La teste aussi. Au fond de mon cœur. Anna Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. C'est prophète d'Allah. C'est l'envoyé de Dieu. Il est meilleur que tous les chrétiens. Il n'est pas associé à Dieu. C'est un esclave comme les autres. C'est un serviteur comme les autres. Ma Aïcha. Est rentré dans l'islam. Sunna. Je ne fais plus mal. À quelqu'un que ce soit. Parce que Dieu m'interdit ça. Aïcha. Non. C'est un bon nom, hein? Ouais. Tu parles aussi l'anglais? Oui, je parle l'anglais. Ah bon? Oui. Moi, je parle aussi un peu. Ok. I speak English small. Yeah, and me too. You too? Yeah. Very well. You speak very well. No. Small. Yeah. God bless you. Amen. Bon, on revient en français, hein? Ok, Oustaz. Parce que moi, mon anglais là, it's not beautiful. Yeah. Oui. My English is not best. Ok. Bon. Oui. Tu sais, nous les musulmans, Dieu nous a interdit un djinn qui s'est converti à l'islam. Oui. Hein? Oui. De lire le Coran. Oui. Jusqu'à ce qu'il soit mort. Oui. Oui. C'est pas bon. Oui. Ils sont convertis les djinns ou les hommes, ou bien convertis les hommes qui pratiquent l'islam. Non. Le jour de la résurrection, on va rentrer tous main dans la main au paradis. Non. Oui. Et tu vois? Oui, je vois. Nous, on n'a aucun pouvoir. Oui. On ne te voit pas. Oui. Mais on peut demander Dieu. Oui. Secours de Dieu. Oui. Lire le Coran. Oui. Les sourates, les ayats. Oui. Jusqu'à ce que le Coran va te brûler. Oui. Et tu es mort. Okay. Tu vas à l'enfer. Oui, là, c'est vrai. C'est vrai aussi. Hein? Oui. Mais nous on ne le fait pas. Oui. Si tu es converti à l'islam, oui. Ça c'est très bon pour nous. Ok. Tu as compris? Oui, j'ai compris. J'ai compris où ça, je veux convertir alors. Et tu as quel âge? Tu dis quoi? Aïcha? Oui. Aïcha? Non. Tu as quel âge? Oui. Salam alaikum. T'as quel âge? Moi? J'ai 40 et quelques comme ça, Oustaz, je vois. T'as 40 et quelques? Oui. Donc la première fois, tu nous avais menti? Oui. Oui. Il ne faut plus mentir, c'est haram, c'est interdit de l'islam. Ok, Oustaz. Oui. 40 et quelques, tu n'as pas prié? Oui. Tu n'as pas gêné, tu n'as rien fait comme bien? Oui. Tu es seulement un monsieur? Oui. Tu l'as épousé depuis l'âge de 10 ans. Oui. C'est pas normal. Un djinn doit épouser un djinn. Un homme aussi doit épouser un homme. Oui. Les messieurs en question, est-ce qu'il est marié? Non. Il n'a pas tenté? Parle un peu fort là. Il n'a pas tenté de se marier? S'il n'a pas tenté de se marier. Oui. Tu l'as empêché? Il n'a pas tenté d'abord. Oui, il a tenté une fois. C'était où? C'était au pays. Au pays? Oui. Tu l'as empêché? Oui. Tu étais jalouse? Ah oui, je vois. Oui. Tu voulais marier qui? Hein? Tu voulais marier une fille. Une fille? Oui. De chez lui? Oui. Comment s'appelle la fille? S'appelle Jainabou. Ah, Jainabou. Non. Son nom de famille? Diallo. Jainabou Diallo. Non. Il voulait marier Jainabou Diallo. Oui. Quand tu étais jalouse? Oui. Tu as
refusé. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait? C'est parti chez parents de Genève ou bien c'est parti chez Genève, il a refusé ou bien qui a refusé? Je l'ai fait profiter avec un homme, un autre homme l'a pris. Ah bon? Tu as fait profiter un autre homme? Oui, un homme l'a pris. Cet homme l'a pris? Oui. Là, tu veux toujours rester seulement avec lui là? Oui. Mais ça, c'est possible? C'est pas possible? Maintenant, tu vas sortir, non? Oui, je vais sortir. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Wallahi billahi. Wallahi billahi. Je sors au nom de Dieu. Je sors au nom de Dieu. À cause de Dieu. À cause de Dieu. Ne reviens plus. Je reviens plus. Jusqu'à Yom al-Qiyama. C'est le jour de la résurrection. Yom al-Qiyama, le jour de la résurrection. Mais où Dieu va nous juger de tous. Que Dieu va nous juger de tous. Donc il faut lui demander maintenant pardon. Et tu l'as rendu malade. Tu lui as fait échouer à se marier. Il faut lui demander pardon. Sinon, si tu ne lui demandes pas pardon, si tu ne te pardonnes pas, le jour de la résurrection, Dieu va te demander des comptes. Je demande pardon à Abdulrahim Diallo. Diallo. Qu'est-ce que tu l'as fait? Je l'ai rendu malade. Oui. Continue pas, on t'écoute. Je l'ai rendu malade, stage. Je lui demande pardon. Je l'ai rendu malade pour lui avoir. Je demande pardon. Tu faisais rapport avec lui la nuit, non? Oui. Dans le sommeil. Oui. Oui. Ça m'est arrivé aussi, c'est ça qui m'a poussé à faire ça. J'étais aussi gravement malade. Il y a une sorcière qui venait chaque vendredi nuit et lundi nuit. Et quand je me réveille le matin, ça fait les douleurs. Le corps a été pourri comme ça. Est-ce que c'est normal ce que vous faites là? Non. Hein? Non. Ah non, 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 non. Aujourd'hui parce que tu es notre soeur, tu es rentré dans l'islam. Si ce n'était pas ça, hein? Aujourd'hui ça va sauver, hein? Aïcha, oui. Tu as compris, non? Oui. Donc on va. Toi maintenant où? Si on te laisse, toi où? Si on me laisse. Je rentre aux mosquées. Dans quelle mosquée? Dans la mosquée de Sunna. Sunna? Oui. Donc, tu vas sortir par où? Tu vas sortir par où? Je vais sortir par la grande porte. Non, quand tu rentrais à Abdelrahim, non. Tu rentrais par où? Tête, pied, oui. Bras? Par Abdelrahim. Quand tu rentrais quoi? Quand je rentrais, je rentrais par la tête. Bon, maintenant, si on te laisse sortir, tu vas sortir par où? Je vais sortir par les pieds. Quel pied? Le pied gauche. Le pied gauche. Oui, oui. Alors, tu veux qu'on te donne combien de minutes? Donnez-moi 5 minutes. 5 minutes? Oui. Mais c'est beaucoup, hein? Bon, 3 minutes. Non, moi je ne t'oblige pas. Oui. Je dis 5 minutes, on perd ça à 5. Oh, okay. Je vois que tu mens. Oui. Hein? Oui. Si tu dis 3 minutes, on te laisse 3 minutes, tu ne peux pas sortir. Oui. Ça devient mensonge. Comme tu as les 5 là, on va laisser à 5. Tu as des parents aussi, non? Oui. Hein? Aïcha? Oui. Tes parents vivent? Oui. Ils sont où? Ils sont là. Où? Là-bas. Au pays. Quel pays? Au pays là-bas. Quel pays? Quel est le nom de pays là? Nous, on ne connaît pas. Quel pays? Ils sont ici. Ils sont ici. Quel pays? Ils sont où? Le pays ici. Congo ou Sierra Leone? Oui. Ils sont Sierra Leone ou Congo? Oui. Hein? Ils sont là-bas. Oh, Sierra Leone? Oui. Ton papa vit? Oui, oui. Et ta maman? Oui, oui. T'as combien de frères? Un. T'as un frère? Oui. T'as combien de
des sœurs. Il y a des sœurs. Oui. Ils sont musulmanes. Oui. Hein? Non. Mais il faut pratiquer l'islam. Porter le nom d'Aïcha, tu ne pratiques pas l'islam, là, c'est zéro. Oui, j'ai compris. Donc, je vais lire le Coran maintenant. Oui. Et ils vont te laisser. Mm-hmm. Tu vas sortir 2 semaines. D'accord. Tu as compris? Oui. Alors, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بحمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض فلا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا يكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كاتي تمامتي؟ نعم تكي كاتي كاتي Oui. Réponds-moi, tu m'as menti. Oui, Stas. Hein? Oui. Vrai ou faux? Vrai. Attends, je vais te dire qui je suis. Tu m'as menti. Oui, oui. La fois passée, je t'avais laissé, tu m'as dit que tu partais. Mm-hmm. C'était pas vrai? Oui. Quel est ton nom? Stas, en vrai dire, moi, Stas. Ton nom, ton vrai nom, je ne vais pas mentir aujourd'hui. Stas, je ne vais pas vous mentir. Moi, mon vrai nom, Stas. En vrai dire, pour vous dire, moi, mon nom. Stas. Alassane. Attends, je vais te dire, Oustaz. Attends, je vais te dire. Attends, Oustaz, je vais te dire. Alhamdulillah. Oustaz, attends, je vais te dire, mon frère. Attends, je vais te dire. Attends. Tu vas pas échapper, Inch'Allah. Attends, je vais te dire, Oustaz. 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 Oustaz, attends, je vais te dire mon nom. Ton vrai nom. Mon vrai nom. Oui. C'est Alpha Omar. Moi, mon vrai nom, en vrai dire, Oustaz, moi qui est avec toi comme ça, moi, mon nom, c'est Cheikh Abdourahim, sans te mentir. Non, c'est pas le djinn. Le djinn. Oui. Le djinn qui est sur moi, lui, il s'appelle en vrai dire, Oustaz, Alpha Omar. C'est lui que moi, je vois dans mon cœur ici, là, nom de Dieu. Je ne peux pas te mentir. Alpha Omar. Oui, oui. Alpha
Maman Omar. Oh oui. C'est pour moi, hein? Oui. Tu es là, non? Oui, je suis là. Bon, c'est toi qui m'as menti la fois passée. Oui, Oustad, c'est moi qui t'avais menti la fois passée. Tu m'avais dit que ton nom c'était quoi? Je t'avais dit que mon nom c'était Asta. Et tu étais? Tu étais une femme, non? Là. Arrête, coordonnez. Hey, moi je parle père, moi je comprends pas père. T'as compris, non? Oui, oui. Fais-toi en français. Oui. Tu m'avais menti que je t'ai dit. Ton nom c'est quoi? T'avais dit quoi ton nom c'était? Bon, Oustaz, ils m'ont trop appuyé comme ça là, j'arrive même pas à respirer très bien. Ils n'ont qu'à me relâcher un peu là, non, s'il vous plaît, Oustaz. Non. S'il vous plaît, Oustaz. Si tu as menti seulement, c'est fini. Oui. Aujourd'hui, si tu as menti seulement, oui. La mort. Oui. C'est ce que le courant te fait, non? Oui, Oustaz, pour te dire, oui. Hein, si tu vas tuer, oui. Peut-être tu vas me tuer moi-même personnellement. Tu me vois, non? Ok, je ne peux pas te mentir, Oustaz. Ton nom, c'est Alpha. Moi, je suis un travailleur, Oustaz. Attends, ton nom, c'est Alpha. Oustaz, attends, je vais te dire oui. C'est ça, Oustaz. Ton nom, c'est Alpha Omar. Oui, oui. T'as quel âge? Oustaz. T'as quel âge? Allah, Oustaz, j'ai mes 25 ans. T'as 25 ans? Allah, Attends, je vais te dire, Oustaz. Allah, Oustaz, bon, c'est bon maintenant. Attends, je vais te dire, Oustaz. Qui t'a envoyé? Tu viens travailler. Allah. Attends. Oustaz, c'est moi qui te va dire. Attends, je vais te dire, Oustaz. Dites-moi. Je vais te dire, Oustaz. T'as quel âge? J'ai 25 ans, Oustaz. T'as 25 ans? Oui. Oui. Tu as 25 ans. Oui, Oustaz, j'ai 25 ans. Tu as combien de pieds? Moi? Oustaz, j'ai 2 pieds. Tu as 2 pieds? Oui. Ta tête là est comment? Ma tête là est longue. Oui. Ta tête là est longue? Oui. C'est comme tête de quoi? Allah, comme tête de bœuf, Oustaz. Bœuf? Oui. Il y a des cornes? Oui, il y a les cornes. Combien de cornes? Il y a des cornes, Oustaz. Des cornes? Allah. Tu ne connais pas Allah. Tu connais pas Allah. Comment essayer de mentir? Il y a combien de l'œil, il y a combien? Combien de quoi? L'œil. J'ai 4 œils, Oustaz. C'est où? C'est derrière ou devant? Il y a derrière, Oustaz. Il y a combien devant? Il y a combien derrière? Il y a deux, Oustaz. Allah, non, subhanallah. Aujourd'hui, tu es mort, hein? Non, Oustaz. Oustaz. Tu es rentré dans ces messieurs-là où? Oustaz, je suis rentré sur lui ici. C'est où? À Brazzaville ici? Oui. C'est vrai? Oui, Oustaz, c'est vrai. Dans le quartier Marché Total. Marché Total? Oui. Tu es rentré à lui la nuit ou pendant la journée? La nuit. La nuit? Oui, Oustaz. Il dormait? Oui, il dormait pas, Oustaz. Oui, Oustaz, je peux dire, il dormait. Mais toi, t'es quitté où? Moi, je suis quitté ici, Oustaz. Toi, Alpha Omar, t'es quitté où? Moi, je suis quitté ici, Oustaz. Ah, non, tu m'as dit, là. Attends, je vais te dire, Oustaz. Attends. Attends, Oustaz. Allah, Oustaz. C'est là. Oustaz, je suis quitté là-bas, Marché Total là-bas. Je dis. Je peux pas te mentir, Oustaz. C'est là-bas, moi, je suis quitté. C'est Abdourahim qui est quitté au Marché Total. Toi, Omar, Alpha Omar, là où tu es quitté? Moi, Alpha Omar. Oui. C'est ça, maintenant, je vous dis, Oustaz. C'est là-bas. Oustaz, tu es quitté où toi, Alpha Omar? Tu viens de quel pays? Moi, je viens de la Guinée, Oustaz. La Guinée? Oui. Qui t'a envoyé? En fait, moi, Alpha Omar, je suis un Guinéen. Hein? Pour vous dire en vrai, moi, Alpha Omar, je suis un Guinéen, Oustaz. Non, le djinn n'est pas guinéen, Oustaz. Le djinn n'est pas guinéen. Je l'ai mis en complice avec le djinn d'ici, Oustaz. Je ne peux pas vous mentir, Oustaz. Je l'ai mis en complice avec le djinn d'ici, avec la complicité des sorciers, sans vous mentir, Oustaz. Et le sorcier là, il est où? Le sorcier là. Le sorcier là, il y a d'autres qui sont à Marché Total là-bas. Il y a d'autres encore qui se trouvent là-bas, dans le coin là-bas,
comme Andrés, le complice des sorciers là se trouve encore dans plusieurs coins des Eustache. Parce que l'enfant là, je voudrais l'avoir trop même, nom de Dieu Eustache. Je peux pas vous mentir. Oustaz. Oui, oui. Toi, tu es un homme, non? Oui, moi, je suis un homme. Pendant nos lectures que nous avons fait, oui. On ne savait plus les gens des cassettes. Oui. Toujours les djinns là. Oui. Les hommes sur nos femmes. Tu as compris, non? Oui, oui, Oustaz, j'ai compris. Les femmes djinns là, sur nos hommes. Oui. C'est pas ça? Oui, oui. Si toi, tu es un homme, tu suis un autre homme qui adore Him. C'est que quelqu'un t'a envahi. Oui, oui. C'est le sorcellerie qui t'a envahi. Oui, Oustaz, c'est ça maintenant, Oustaz, je vous dis. Il faut détailler par ordre. Oustaz, attendez, je vais vous détailler ça par ordre. Oustaz. Oui. En vrai dire, hein, moi je suis là comme ça là, hein. Oustaz, je peux vous détailler ça. Je peux vous détailler, Oustaz. Oustaz, c'est par la complicité quand même, c'est par la complicité des sorciers. Attends, Oustaz. Oustaz, là où il vivait, c'est par la complicité de ces anges-là, je me suis mis sur lui. Je ne peux pas vous mentir. Qui t'a envahi? Je ne peux pas vous mentir, Oustaz. Hey. Oustaz, attends, je vais vous dire, Oustaz. Je vous dirai. Dis seulement les noms. Qui t'a envahi? Allah, Oustaz. Tu connais Allah? Moi, Abdrahim, là, moi, je connais Allah, Oustaz. Non, pas d'Abdrahim, pas de toi, Alpha Omar, là, le djinn, là. Oui. Tu connais Allah. Oustaz, non. Oustaz, attends, moi, je vais t'expliquer, Oustaz. Oustaz, attends seulement, je vais t'expliquer d'abord, Oustaz. Je peux pas respirer comme ça, Oustaz. Oustaz, attends, s'il te plaît, Oustaz. Attendez seulement. C'est la bagarre? Non, c'est pas la bagarre, Oustaz. Oustaz, c'est moi comme ça, c'est moi, Abdrahim, vous êtes en train de faire souffrir comme ça d'abord. Non, Oustaz, je ne peux pas vous mentir. Hey. Oustaz, attends. C'est pas la bagarre? Oustaz, c'est pas la bagarre. Oustaz, attends, c'est pas la bagarre. Calme-toi. Oustaz, c'est pas la bagarre. C'est pas la bagarre. Tu te restes calme. Oui. Va pas rester calme. Allah. Bon, attendez maintenant. Ok, bon, voilà. Oui, je vais s'y calmer. Attends, je vais t'envahir, Oustaz. Qui t'a envahi? Oustaz. C'est tout ce qu'on te demande. Oui, oui. Tu es quitté en Guinée, non? Oui, oui, Oustaz. Tu es ici, non? Oui, oui. Qui t'a envahi? Et puis on a eu quoi? Non, Oustaz. Moi, le format, moi, je suis en Guinée. Oui. Mais le djinn n'est pas quitté en Guinée, Oustaz. Je ne peux pas vous mentir. Le djinn ne peut pas quitter en Guinée, Oustaz. Oustaz, le problème des djinns qui est comme ça, là, c'est quelque chose qui a été en complicité avec plusieurs personnes. Je ne peux pas dire le nom d'une seule personne. Je ne connais même pas avec qui et qui je vais à dire. Hein? Non, moi, en vrai dire, au nom de Oustaz, Oustaz, en vrai dire, sans vous mentir, Oustaz, je ne connais pas leur nom. Oustaz, pour vous dire en vrai dire, je suis un Guinéen, mes parents viennent de Fouta, hein, Oustaz. Oustaz, je suis un Guinéen, mes parents viennent de Fouta, Oustaz. Oustaz, wallahi billahi, Oustaz, c'est la vérité, j'ai en train de vous dire, Oustaz. Sinon, Oustaz, vous allez me tuer. Oustaz, wallahi Allah, c'est la vérité. Wallahi Allah, Oustaz, c'est la vérité. Oustaz, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Oustaz, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Et Allah, Oustaz, ne me tuez pas, moi. La vérité, on va te faire convertir dans l'islam. Oustaz. Et tu vas devenir sunnite. Ok, c'est bon. Oustaz, moi ça écope très mal, personne, mon pied là-bas, là, me fait très mal. Il faut lui dire là-bas de soulever un peu seulement. Wallahi Allah, Oustaz, moi ça écope très mal, je ne vais pas fouiller, Oustaz. Oustaz, attends, je vais te dire la vérité, Oustaz. Oustaz, pour te dire en vrai dire, Wallahi Billahi, Oustaz, moi je suis un Guinéen, Oustaz. Oui, Oustaz. Oustaz, c'est dans la complicité de plusieurs sorciers, je voudrais avoir l'enfant là. Oui, Wallahi Allah. Les sorciers là, dis-leur. Les sorciers là, Oustaz. Attends, c'est parti. Non, c'est pas parti, Oustaz. C'est que ça me fait mal. Et Allah. من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله
مصدق لما معهم نبذ فريق الذين هم في سير الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ينزل على الملك ببابل هاروت وماروت وما يعلمان حتى يقول نحن فتنة فلا يكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه وما هو بمؤمنين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا واعينا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب عليم ويود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم Alpha Omar. Non, tu m'écoutes, non? Non, oui, je vous écoute. Tu viens te convertir à l'islam? Oui, oui, je vais me convertir à l'islam. Tu vas dire la vérité? Oui, oui, je vais dire la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Wallah, rien que la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité, oustaz. Bon, comment ça s'est passé? Tu viens d'où? Je viens de la Guinée, moi. Moi, Alpha Omar. Quel côté? Quel côté? De Pita. Ah, Pita. Oui, oui. Pita en bas. Je suis venu. Tu es venu en mission, non? Oustaz. Non, tu es venu en mission, non? Oui, je suis venu en mission. Bah, qui t'a envoyé? Non, Oustaz, je ne suis pas venu en mission personnellement, Oustaz. Oustaz, je voudrais passer juste d'une corrompisation pour avoir l'argent. Je vais avoir l'enfant là. Sans vous mentir, Oustaz. Pour vous dire, je suis venu en mission, ce n'est pas ça. Je l'ai fait avaler quelque chose juste pour l'avoir. Tu vois, non? Parce qu'on a discuté une fois. Je voudrais lui faire avaler quelque chose là pour que je vais l'avoir. S'il n'arrive pas à supporter, moi je peux bénéficier de lui. Oustaz, c'est ça, Oustaz. Je ne peux pas vous mentir. Tu lui as fait avaler quoi? Je lui ai fait avaler quelque chose comme ça là. Du Dabari. Dabari? Oui, oui. C'était où? C'était ici. Ici. Ici au marché total ici. Il a fait ça. J'ai fait une complicité avec quelqu'un. Oui. Quelqu'un que j'ai appelé, il m'a amené l'affaire là. Quelqu'un, il n'a pas de nom. Oustaz, attends, je vais te dire. Attends, Oustaz, je vais te dire. Oustaz, attends, je vais te dire. Attends, je vais te dire, Oustaz. Quand je l'ai fait avaler le truc là. Quand l'intéressé a amené ça, tellement que j'étais énervé contre l'enfant, je n'ai même pas essayé de demander le nom de quelqu'un pour faire ça. Oustaz, je ne peux pas vous mentir, wallahi Allah. Bon, attends, Oustaz, attends. Oustaz, attends, je vais te dire. Attends, je vais te dire, Oustaz. Celui qui a amené ça, Oustaz, celui qui a amené ça, actuellement, il est avec moi. Tu vois, non, il est avec moi, Oustaz. Je peux te dire, Oustaz, je l'appelle. S'il est dans le corps, oui, il est dans le corps, Oustaz. Parce que c'est avec lui, je passe presque toute la nuit. Il s'appelle comment? Tu vois, il s'appelle ma camarade. Hein? Oui, Oustaz. Comment il s'appelle? Je peux pas te mentir, ma camarade.
La camarade, la camarade. Oui, oui, Oustaz. La camarade, c'est pas un nom? Oui, moi c'est comme ça, moi je l'appelle Oustaz. Il a aussi le corps? Oui, lui il est aussi là, des corps, Oustaz. Donc c'est ta femme? Oui, c'est ma femme, Oustaz. Comment il s'appelle? C'est ma femme, Oustaz. Lui il s'appelle Aïcha? Oui. Hein? Oui, oui, Oustaz. Non, Oustaz, c'est pas lui qui s'appelle Aïcha. C'est pas lui qui s'appelle Aïcha. Lui, je l'appelle ma camarade. Je peux pas vous mentir, Oustaz. Mais c'est qui s'appelle Aïcha, la fois passée là? Aïcha, celui que je vous appelle Aïcha, là, Oustaz. Aïcha, c'est une sœur adoptée Abdourahim. Je l'ai mis en complicité juste pour qu'il dise ça. Je peux pas vous mentir, Oustaz. Je peux pas vous mentir, Oustaz. Wallahi. Wallahi, je peux pas vous mentir. Mais j'accepte être converti dans l'islam, Oustaz. J'accepte être converti dans l'islam. Quand on se convertit dans l'islam, on ne ment pas? Oui, Oustaz, je ne vais plus mentir. J'accepte me convertir dans l'islam. Je ne vais plus mentir sans vous mentir. Je ne vais plus vous mentir. Tu m'as déjà menti la fois parce que tu t'appelles Aïcha. Oui, oui, Oustaz. C'est pas vrai. Oui, oui, Oustaz. Cette fois-ci, Oustaz, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir, Oustaz. J'accepte d'être. Les malades là. Abdourahim là. Oui, oui. Il fait vomir les sangs. Oui. Et ici aussi les sangs. Oui, oui. Les sangs, ici les sangs. Oui, oui. Et il fait vomir les sangs. Oui. C'est de ta faute, non? Abdourahim chie le sang. Oui. Oui, oui. Qui a fait ça? Oui, oui, c'est moi qui a fait ça. Comment tu as fait ça? Oui, oui, j'ai fait ça, Oustaz. Parce que normalement, quand Abdourahim va aux toilettes, il doit faire le toilette pour un de son prochain. Tu vois, non? Quand Abdourahim va aux toilettes, par exemple, Abdourahim, en vrai dire, Abdourahim, c'est le nom d'un vieux qui a étudié le courant dans notre pays là-bas, au Fouta Djalo là-bas. Est-ce que vous voyez? Oui. Maintenant, Abdourahim a été surnommé à le vieux là. Le vieux là, quand il mourait, il était en jeûne, je peux vous dire, Oustaz. Quand il mourait, il était en jeûne. C'était ça son histoire. Bon, quand ils ont surnommé Abdourahim avec le nom là, ça faisait partie. Abdourahim faisait accompagner presque avec un djinn, Oustaz. Est-ce que vous voyez? Le djinn là maintenant, si Abdourahim dit il est en jeûne, c'est qu'il est en jeûne. Parce que quand l'homonyme d'Abdourahim rendait l'âme, il était en jeûne, Oustaz. Est-ce que vous voyez? C'est dans ça maintenant, moi encore, quand je suivis ça, j'ai pu profiter, je l'ai fait avaler quelque chose pour que je me dise, c'est bon, Abdourahim, je vais me mettre en jeûne. Est-ce que vous voyez? Sinon, Oustaz, je ne peux pas vous mentir, Oustaz, sans vous mentir. C'est Abdourahim que nous avons maintenant là. Oui, oui. Quand il va aux toilettes, au WC là. Oui. Son caca là, c'est sang. Oui. Il vomit aussi les sangs. Oui. Ce qui fait ça, il faut essayer d'arrêter de nous tourner dans la farine. Oui. Ça ne marche pas. Hein? Oui. Si on te pose une question, si tu veux te convertir en islam, il faut répondre ça bref. Oui. Hein? Oui. Mais l'histoire de Marabout, il est mort en jeûne, nous on ne t'a pas encore demandé ça. Oui. Abdourahim qui est avec nous là, il est gravement malade. Quand il va aux toilettes là, c'est le sang qui sort. Quand il vomit, c'est le sang qui sort. Qui a fait ça? C'est toi ou c'est pas toi? Oui, c'est moi qui a fait, Oustaz. C'est moi qui a fait. Parce que ce que je l'ai fait avaler, je ne savais pas que ça devrait être comme ça. C'est moi qui a fait, Oustaz. Mais je suis franchement désolé. Je demande pardon. Tu lui as fait avaler quoi? Je l'ai fait avaler Dabari. Il a mangé. Quand il a mangé, il a reçu. Quand il a mangé seulement, le piment que lui, il devrait manger, le manger qu'on devrait manger, le repas ensemble, quand il a mangé, ça revenait à moi. Moi, maintenant, là, je me suis mis à passer la nuit sans dormir. Abdourahim encore n'a pas à dormir. J'ai fait monter le piment dans sa tête. Ça l'a fait chauffer là-bas. Le lendemain, il est venu se plaigner. Sans vous mentir, Oustaz. Je ne peux pas vous mentir, Oustaz. C'est la vérité, je vous dis. Rien que la vérité, Oustaz. Qu'est-ce que tu appelles Dabari? C'est gris-gris ou c'est quoi? C'est quoi? C'est toi-même qui as fait ça ou c'est un marabout qui a fait ça? Oustaz, Dabari, là, c'est moi-même qui a fait ça, Oustaz, je peux vous dire. C'est moi-même qui a fait ça. C'est un poison, mais c'est quoi? Tu as fait ça comment? Il faut nous expliquer. J'avais dit à quelqu'un qui avait fait ça au marché de Fouta. Oustaz, Dabari là, pour vous dire en vrai dire Dabari là, c'est quand les gens là où Abdourahim dormait, ils m'ont informé que quand Abdourahim dort la nuit, il parle.
Il parle, on entend même, il parle la nuit, parfois même il dit assalamu alaikum. Est-ce que vous comprenez, Oustaz? C'est comme s'il est fait accompagner par quelque chose. Est-ce que vous voyez, Oustaz? De là-bas maintenant, moi encore quand j'ai suivi ça, j'ai mis à la recherche de cette truc normalement. J'ai demandé avec la maman qui vivait là, ou Abdrahim vivait là-bas. J'ai dit, ah maman, ils m'ont dit qu'Abdrahim dort la nuit. Il parle. La maman a confirmé, il a dit oui. Il dit, ah, c'est comme s'il fait accompagner avec le djinn. Avec le djinn. Ils ont dit, ah, il fait accompagner avec le djinn. Il dit, ah, comment le djinn là est avec lui. On dit, ah, Abdrahim, c'est quelque chose, c'est quelqu'un comme ça, là où il est comme ça. C'est quelqu'un qu'ils ont surnommé qui a de la tête. Il y a tout dans sa tête là-bas. Le courant, il y a tout dans sa tête là-bas. Est-ce que vous voyez, Oustaz? Là où il est presque un travailleur. Vous voyez, Oustaz? Un travailleur, c'est-à-dire un marabout, quoi? Non. Ou un pétisseur? Non. Il est un travailleur. Il est un travailleur que nous, il nous a dit qu'il est un travailleur du foutage à l'homme. Travailleur, c'est quoi? Quel travailleur? Travailleur, par exemple, travailleur là, Oustaz, pour vous dire en vrai dire le travailleur. Non, Oustaz, c'est pas menteur. Oustaz, attendez, je vais vous dire. Ah, quel travailleur? Oustaz, attendez, je vais vous dire. Il faut dire, c'est un marabout seulement, il travaille avec les djinns. Il faut dire la vérité. Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des sunnites. Hein? Il faut arrêter tes conneries là. Toi, tu n'es pas encore converti. Parce que nous, on sait hein, qu'un djinn s'est converti à partir de ses paroles. Il va cesser d'arrêter de mentir. Il va cesser de nous tromper. Il va dire seulement la vérité. Mais toi, tu n'as pas arrêté de mentir. Tu continues toujours à mentir. C'est un marabout. Un travailleur, c'est quoi? C'est un travailleur, c'est quoi? C'est un marabout. Le monsieur a peur. Le monsieur, oui, c'est un marabout. C'est un marabout, Oustaz. Je ne peux pas vous mentir, Oustaz. C'est un marabout. Son homonyme, là, c'est un marabout. Son homonyme, là, c'est un marabout. Il était où, à Fouta Diallo? Il était en Fouta Diallo, Oustaz. En Fouta Diallo. Tu sais, il est décédé déjà. Oui, il est décédé. Et si tu mens sur lui, ça c'est le grand péché. Non, Oustaz, je ne peux pas mentir sur lui. Je ne peux pas mentir sur lui, Oustaz. Je ne peux pas mentir sur lui. Tu as travaillé avec lui? Oui, je travaille avec lui. Bon, donc, attends. Tu nous as encore menti encore. Dis ton vrai âge. Parce que tu as dit que tu as 25 ans. Hein? Si tu as travaillé avec ce monsieur-là, tu as plus que 25 ans. Oui. C'est ça? Dis ton vrai âge. Mon vrai... J'ai dit que tu veux rentrer dans l'islam. Oui. Il faut dire la vérité. Oustaz, pour vous dire en vrai dire, hein, Oustaz. Oui. Oustaz, pour vous dire en vrai dire, hein, Oustaz. Moi le djinn en personne, oui, Oustaz. Moi le djinn en personne, Oustaz. Moi je suis un musulman. Mm-hmm. Parce que je travaille avec un musulman, Oustaz. Moi je suis un musulman. Ton vrai âge. Oui, Oustaz. Oustaz, mon vrai âge. Mon vrai âge, Oustaz, je peux vous dire presque que j'ai quelque chose de 100 et quelques maintenant, Oustaz. Je ne peux pas vous mentir. 100 et quelques. Oui, je ne peux pas vous mentir, Oustaz. Oustaz. Oustaz, pour vous dire en vrai dire, hein, c'est moi le djinn qui parle comme ça, Oustaz. Oui, mais ton vrai âge, c'est quoi, toi, djinn là? Mon vrai âge, Oustaz, quelque chose de 150 comme ça. 150? Oui. Tu as travaillé, si je comprends bien, tu as travaillé avec l'homonyme de Abdourahim, oui. Qui fut un marabout. Il est décédé, on lui a donné le nom de ce monsieur-là. Et tu veux que ce monsieur Erich Abdourahim qui est décédé là, il va coopérer avec toi, c'est pas ça? Oui, monsieur. Mais en personne, il doit coopérer avec moi. Mais avec le travail, attendez au stage. Au stage. Pour vous dire, à vrai dire, hein, c'est moi le djinn qui parle. Yeah. Et moi le djinn comme ça qui parle, Oustaz. Pas la vérité. Non, Oustaz, c'est pas parce que je dis pas la vérité. Oustaz, Oustaz, c'est moi Alpha Omar qui vous parle comme ça. C'est pas le djinn, c'est moi Alpha Omar qui vous parle, Oustaz. Mais en vrai dire, Oustaz, Abdrahim là, quand je l'ai vu, quand on m'a expliqué, wallah, je me suis dit. Attends. Toi, Alpha Omar là,
Tu es djinn ou bien tu es un homme? Moi, je suis un homme, Oustaz. Moi, je suis un homme. Moi, Alpha Omar, wallahi Allah, moi, je suis un homme, Oustaz. Alpha Omar, toi, tu es un homme. Un homme qui est rentré dans Abdourahim, qui est aussi un homme. Moi, Alpha Omar, j'ai rentré à Abdourahim, je vais vous dire, Oustaz, parce que j'ai trouvé que Abdourahim fait accompagner avec quelque chose. C'est ça que je vous dis, Oustaz. Je ne peux pas vous mentir, Oustaz. Wallahi Allah, je ne peux pas. Le chose là, c'est fait accompagner avec ses parents, avec ses arrière-parents, je peux vous dire. Je ne peux pas vous mentir. Wallahi Allah, je ne peux pas vous mentir. Hein? Il fait accompagner avec ça, Oustaz. Quand Abdourahim, par exemple, tout de suite, Oustaz, je peux vous dire, hein, Oustaz, là aussi, comme ça là, je suis presque toute la famille Djalonke est sur Abdourahim. Hein? Je ne peux pas vous mentir, Oustaz. Toute la famille de Fouta Diallo est sur Abdourahim. Hein? Oui, oui, Oustaz. Je ne peux pas vous mentir. Comment ça? Pour que Abdourahim résiste. Hein? Pour qu'il résiste. Là où il est comme ça, là, je peux vous dire le courant, Oustaz. Le courant qu'on lit, c'est le Fouta Diallo qui le lit pour moi. Hein? Je ne peux pas vous mentir, Oustaz. Alpha Omar. Ça me m'étonne. Hein? Non. Un homme rentre dans un homme. C'est même pas djinn. Oustaz, Alpha Omar, il est rentré à travers de quoi, hein? Par exemple, tout de suite, Oustaz, hein? Toi, tu es musulman, Oustaz. Si tu dis Bismillah Rahman Rahim, hein? Moi, je suis avec toi. Ça, c'est moi le djinn qui parle. Je ne peux pas vous mentir. Quand tu dis Bismillah Rahman Rahim, Oustaz, je suis avec toi. Hein? Je ne peux pas vous mentir, Oustaz. Mais par exemple, moi, Alpha Omar, quand j'ai voulu monter sur Abdourahim, je suis passé à travers le Bible. Je ne peux pas vous mentir, Oustaz. C'est à travers de là-bas que j'ai monté sur Abdourahim. Bible. Oui. Tu m'avais dit que tu es musulman, c'est devenu affaire de Bible encore. Oustaz, pour vous dire en vrai, c'est ça que je vous dis, Oustaz. J'ai laissé ma dignité, je me suis en profité pour avoir l'argent. Je ne peux pas vous mentir, Oustaz, au nom de Dieu, Oustaz. Je ne peux pas vous mentir, Oustaz. Mais pour vous dire, Oustaz, en vrai dire, Oustaz, hein, moi, Abdourahim, Oustaz, moi, je suis un travailleur. Je ne peux pas vous mentir, Oustaz. Vous mentir pourquoi? Hein? Si vous dites, vous allez pas. Bon, attends. Tu nous as tout mélangé maintenant. Oui. Tantôt, tu dis Abdourahim. Tantôt tu dis Alpha Omar, tantôt tu dis c'est le djinn. Non. Quand Alpha Omar parle, Oustaz, je vous explique comment moi je suis venu. C'est moi Alpha Omar, comment je suis venu, Oustaz. Hein? C'est ça que je vous explique. Alpha Omar, quel est le nom de ta famille? Moi Alpha Omar, moi je m'appelle Alpha Omar Diallo. Diallo. Oui. Ton père, comment il s'appelle? Moi mon père, en vrai dire, Oustaz, là aussi comme ça, là, je ne peux pas vous dire avec l'andira qui est sur moi comme ça. Je dis comment il s'appelle seulement son nom. Tu connais pas son nom? Oustaz, mon père s'appelle Moutar. Moutar Diallo. Oui. Ta maman s'appelle comment? Moi, ma maman s'appelle Mariam. Et elles sont où? Ils sont tous habitants là-bas. Habitants là-bas? Oui. Et toi-même, toi, Omar Diallo, tu es où? Alba Omar Diallo, tu es où maintenant? Moi, je suis ici. Moi, je suis au Congo ici. Au Congo, dans quelle ville? Au Congo, à Brazzaville ici. Tu habites où? J'habite au marché Total. Dans quel quartier? Quel numéro? Sous le marché là-bas, l'oriel du marché là-bas, c'est là-bas moi je suis. Si on va maintenant, on peut te trouver là-bas? Oui, vous pouvez me trouver au stade. Tu es en train de faire quoi maintenant? À l'heure actuelle là aussi, comme ça là. Ce que vous êtes en train de faire comme ça, c'est ça qui est en train de me frapper comme ça. Vous allez me trouver dans la maison. Tu dors dans la maison maintenant, on te trouve là-bas? Si dans la maison comme ça, je ne dors même pas. Parce que ce que vous faites comme ça là, c'est ça qui est en train de me frapper comme ça, Oustaz. Vous allez me trouver à la maison là-bas. Si on téléphone quelqu'un pour aller vérifier, c'est vrai? Oui, Oustaz, téléphonez seulement. C'est sur le téléphone que tu as fait? Oustaz, c'est par la sorcellerie, je vous dis.